J'ai enfin atteint mon niveau 100 durant la semaine, ce qui m'a permis de m'acheter mon nouveau stuff. Donc, j'ai acheté l'amulette de Gorgouille, le grand slay de Gorgouille, un Génalo Overvita, une couronne du roi Gélax, une cape de Waboto, un pagne de Mulubert Overvita, les bottes de Rablan Overvita. J'ai réussi à choper ce bouclier Overvita aussi. Et cette hache de Yondawa Overvita aussi. J'ai pu aussi m'acheter Miraculé et Enragé. Ça me permet voilà, d'avoir quand même assez d'argent. J'ai pu vendre 25 lots. Regardez, je me suis fait encore 83 000 kamas. Il me faut à peu près encore 1 200 000 pour acheter les deux autres trophées qu'il me faut. Deux autres trophées qu'il me faut exactement pour avoir un PA et un PM supplémentaire. Et le Dofus, et pour avoir le Dofus que je veux, le Dofus Émeraude. Il me faut aussi 1 600 000. Donc ça va arriver avec le temps. Je pense niveau 105, 106, tranquillement. Au niveau des stats, je me retrouve concrètement à exploser les stats avec 2558 points de vie, comme vous l'avez pu constater ici. 9 PA et 4 PM. Donc autant, à l'échange, concrètement, j'ai dû perdre 1 PM avec mon stuff de niveau 50 ou le stuff que j'avais avant. Je sais plus, je l'ai fait au niveau. Je crois que je l'ai fait au niveau 70-80, je crois, ce stuff-là. Et donc je me retrouve avec voilà 2500 de vie, 361 en force, 304 en intelligence. Donc je suis en fait en 2 dégâts. Et maintenant, je joue plus énormément du coup avec fortification et bouclier du Feka. Et je contrôle mes ennemis pour qu'ils restent autour de moi et que je tanque. Alors, je peux taper hein, avec les glyphes, bâton torpeur, l'athergie, tout ça. Mais ce qui va accentuer après mon gameplay, c'est cette attraction naturelle pour attirer les ennemis. Et bien plus tard, au niveau 105, réchoper éblouissement. Voilà. Et attirer aussi les ennemis vers moi en terre ou en feu. Donc ça va me permettre d'être un CAC. D'attirer les ennemis sur moi pour que quand je suis ben, soit seul, soit avec un duo, quand avec mon collègue qui est gras, pouvoir contrôler l'équipe, contrôler tout ce qui est autour de nous. Ce stuff m'a coûté quand même voilà à peu près 1,5 million de kamas facile. Voilà, j'ai revendu l'ancien stuff. J'ai acheté petit à petit en fait, j'ai changé les pièces petit à petit. Les Overvita, c'est pas non plus excessivement cher. J'ai dû rajouter entre 20 et 30 000 du prix de base de l'objet. Plus ou moins pour avoir l'Overvita, donc c'est pas non plus cracher dans la soupe pour avoir des trucs comme ça, voilà. Tac, lui je l'ai enlevé, ça c'est pour la quête, voilà. Voilà, petit résumé de la semaine où j'ai pas beaucoup streamé sur le jeu. C'était aussi pour parce que je travaille du matin, donc là. Le soir, je peux pas trop streamer. L'après-midi, j'ai pas forcément la force de streamer. Je joue juste comme ça pour le plaisir. On se dit à ce week-end. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, merci à ceux qui sont sur YouTube, qui me suivent. Et on continue la route vers le niveau 150. Allez, à plus, ciao!